pas si mal, hein? Oh non! Oh non! Attention, chute de pierre! Oh. Ah, tu n'as pas encore tout compris, gars, hein? Je vais t'expliquer encore une fois. Grand-mère? Attends une seconde, j'active l'écran holographique. J'ai enfin reçu les informations concernant Ramon de la Porta. Comme je le pensais, il est en Birmanie, tout près du lieu où vous êtes. Tu connais l'endroit exact? On a repéré son hydroglisseur se dirigeant vers une ville ancestrale qui est perdue en plein milieu d'une forêt marécageuse. Elle se nomme la Cité Oubliée. Et que va-t-il faire dans cet endroit? Je ne sais rien de plus, mais je suis inquiète. Partez le plus vite possible et surveillez-le, mais soyez prudent. Sa présence là-bas est probablement liée aux pierres sacrées, et de la Porta est prêt à tout. Nous ne devons plus être loin. Oh, regardez, la cité oubliée. Kong, baisse-toi! C'est de la Porta. Grand-mère avait raison, il est bien ici. Bon, j'ai caché le bateau. On fait quoi maintenant? Montons en haut de cette construction. Du sommet, on aura une vue d'ensemble. Waouh, regardez ça! Kong s'intéresse à la musique. Hein? Vite, baissez-vous! De la Porta arrive. Suivons-le à l'intérieur. Ce temple est un lieu de magie. Mais qu'est-ce qui trafique notre cher professeur? Un passage secret. Désolé, petit frère, mais tu n'es pas vraiment discret. Va nous attendre dans la forêt. Jolie, je vais libérer ton pouvoir et découvrir ainsi le secret de la jeunesse éternelle. Regardez, là-bas dans la forêt. C'est Kong. Il faut avertir le professeur. Professeur! Ah. Professeur! Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Professeur, nous avons repéré Kong aux abords de la cité. Je ne serai donc jamais débarrassé de ce singe grotesque. Et si Kong est ici, les autres ne doivent pas être loin. Surveillez les alentours. Je finis ce que j'ai à faire et ensuite nous nous occuperons d'eux. La porte, imbécile! Oh, vous ne pouviez donc pas me laisser travailler en paix? Mais professeur, c'est vous-même qui vouliez être prévenu. Ça suffit! Tu vas aller en vitesse à l'hydroglisseur et tu me rapporteras les bâtonnets d'encens. Il n'y a aucun autre moyen d'ouvrir cette sajanée porte de l'extérieur. Ça nous sera sûrement utile plus tard. Oh, c'est pas vrai! Elle bouge pas d'un millimètre! Il doit bien y avoir un moyen de la dégager. Hé, hey, vous avez vu? Un sitar! Et il est en super bon état! Je vous l'ai pas dit, mais j'ai toujours rêvé de devenir une rockstar. Écoutez! Tan, je ne crois pas que ce soit le moment de jouer de la musique. Allons, allons, ma jolie, détends-toi et ouvre grand tes oreilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je me sens tout chose d'un seul coup, tout bizarre.
Anloa, mais vous êtes devenu tout petit. Ah ouais? Et dis donc, tu t'es pas regardé, hein? Je suis sûr que je suis bien plus grand que toi. Ah oui? Eh ben, même que moi, je prends des cours de karaté. Alors fais attention, hein. Ouais? Oh, arrêtez tous les deux. Si ça continue, je vais aller le dire au protecteur. Et lui, il est plus fort que vous deux réunis, ou même qu'un adulte. Eh hey, oh, toi ça va, hein? Les filles, elles sont toujours en train de se plaindre ou de pleurnicher. Et vous, les garçons, vous n'êtes rien que des menteurs. Quelle cure de rajeunissement! Décidément, vous m'étonnez. Avoir compris si rapidement que ce bel instrument de musique activait la pierre du temps. Bravo! Vous n'avez pas le droit! Voyez-vous ça? Une petite fille qui me donne des ordres. À vous voir, pas étonnant que vous ayez commis une erreur. Chaque note que l'on joue sur cet instrument fait rajeunir d'une année. Quelques notes supplémentaires et vous disparaissiez. Ça n'aurait pas été une grande perte. Laissez-nous tranquilles. D'abord, vous nous faites même pas peur. Écoute-moi, espèce de brimborion. Si j'étais toi, je me ferais encore plus petit. Oh, bien joué, Tan. Ah, mon nez. Fini la plaisanterie. Et d'abord, toi, Elastico, tu vas me rendre cette pierre immédiatement. Attrape-le-moi. Tu dois rendre cette pierre, petite chamane. Non. Gong, au secours. Gong. Tu pensais t'enfuir comme ça, l'apprenti chaman? Mais on n'échappe pas si facilement à Ramon de la Porta. Non. On arrive. Gong. Bravo. Gong, c'est nous. Sors-nous vite de là. Protecteur, c'est moi, Loa. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que nous sommes petits, mais c'est bien nous. Ne crains rien, nous sommes tes amis, Kong. Hey, moi j'ai un super couteau avec une boussole dans le manche. Qu'est-ce que tu as, toi? J'ai une jolie pierre sacrée. Ouais, c'est nul, vos machins. Moi j'ai un cybercom. Même que c'est ma grand-mère qui l'a inventé. C'est une grande scientifique. Ouais, et ben. Moi, et ben mon père, il est super riche. Et je crois même qu'il est milliardaire. T'as pas envie de faire un échange avec moi? T'es malade ou quoi? Grand-mère m'a dit de ne jamais m'en séparer. Avec le cybercom, je peux me transformer. Tiens, regarde, je vais te montrer. Ah ouais? Eh ben, y a pas que toi qui peux se transformer. Hein? Il ne faut pas jouer avec le cybercom, Jason. Le docteur Jenkins ne serait pas très contente. Rends-moi ça tout de suite, Loa. C'est à moi. Désolée. Je ne serai donc jamais débarrassé de ce maudit singe. Sans lui, nous aurions pu mettre la main sur les enfants et récupérer tranquillement la pierre. Venez! Jason, on devrait prévenir ta grand-mère. Ah bon? Tu crois? Oui! Je veux retourner sur l'île de mes ancêtres. Jason! Jason! Que vous est-il arrivé? Que s'est-il passé? Eh ben, je sais pas vraiment, grand-mère. Tan a joué de la musique et on est tous devenus petits. Où est passé Kong? Il est là, grand-mère. Encore plus grand qu'avant. Enfin, c'est peut-être parce qu'eux aussi, on est plus petits. Bien. Je vois que Kong est resté lui-même. C'est déjà ça. Il pourra toujours vous protéger. N'ayez crainte, les enfants. Grand-mère, tu crois qu'on va rester comme ça toute notre vie? Sûrement pas, mon chéri. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Il doit y avoir un moyen d'inverser la situation. Une autre clé pour faire cesser ce processus de rajeunissement. Fais-moi voir le grimoire que tu as pris au professeur de la Porta. Bien, il est enregistré. Je vais essayer d'en déchiffrer le texte. Et avec un peu de chance, on réussira à vous faire revenir à une taille... normale.
Mais le professeur de la Porta, il doit savoir comment on redevient normal. Peut-être, mais vu la situation, restez tranquille. Et surtout, ne vous éloignez pas de Kong. De mon côté, je reprends contact avec vous dès que j'ai du nouveau. C'est compris, Kong ? Tu prends bien soin d'eux, d'accord ? Allez, dépêchez-vous. Si on rattrape le professeur, on pourra le faire parler. On n'y arrivera jamais, on est trop petits. Ouais, et en plus ta grand-mère, elle nous a dit de rester tranquille. Ah, vous êtes rien que des trouillards, voilà. C'est pas vrai, je suis pas un trouillard. Seulement, j'ai hyper faim, moi. T'en as raison. Jason, tu n'as pas faim, toi? Ben, si, je crois, mais... Mais comment on va faire? Ah, tous mes compliments, Giggles. Tu as trouvé exactement ce qu'il nous faut, du sur-mesure. Hey, je veux pas de banane, je veux une pizza à l'ananas. Je veux une pizza à l'ananas. Une pizza à l'ananas. D'accord, d'accord, d'accord. Hey, pourquoi tu n'as pas dit plus tôt qu'il y en avait plus de pizza à l'ananas? Alors, espèce d'horrible macaque, on donne le biberon aux enfants? Gamins qui ne sont pas encore au lit. Allez au dodo. Écoute-moi bien, sac à puce. Tu vas gentiment nous donner la pierre sacrée et tout ça sans faire d'histoire, sinon, Omar. Mon cybercom. Super, je croyais de l'avoir perdu. Kong, tu es le plus beau gorille de tous les gorilles. Et aussi le plus mouillé. Alors Kong, arrête. Hey, regardez, ils partent avec un ballon dirigeable. Heureusement, j'avais prévu ce transport de secours. Messieurs, vous allez pouvoir vous détendre. Dès que nous aurons atteint une altitude suffisante, nous serons hors de danger. Kong, attrape le ballon, mais sans les blesser. Non, ce n'est pas possible. Kong et les demi-portions sont déjà là. Oh!
Ne bougez plus, sinon j'abîme votre copine. Jason, mets-toi de la mousse dans les oreilles. Je vais jouer au professeur sa berceuse préférée. Krong, Lua, bouchez-vous les oreilles! Je crois que j'ai joué un peu trop longtemps, là. Bandignon, tout ça, c'est votre faute. Tenez, prenez ça. Ramon de la Porta, laisse ces enfants tranquilles. Tu es un horrible petit monstre et je t'ordonne de lâcher cette pierre immédiatement. De toute façon, je m'en fiche. Un jour, je me vengerai. Oh, Ramon, il est méchant avec nous. Ouais. Il y a un problème avec le cybercom. Ça fait 2 heures que j'essaie de vous joindre. Finalement, j'ai réussi à déchiffrer le manuscrit. Pour redevenir les 2 jeunes gens que vous étiez, il faut que vous agissiez maintenant. Il faut jouer d'un autre instrument de musique, celui... Grand-mère ! Grand-mère ! Tu nous entends ? Oh, il ne fonctionne plus. J'ai dû l'abîmer tout à l'heure en le récupérant dans la cage. Ta grand-mère, je crois bien qu'elle a parlé d'un instrument de musique. Oui, et alors ? Dans le temple, il y avait aussi une deuxième statue qui avait aussi un sitar. C'est sûrement cet instrument qui nous fera revenir à notre âge normal. Il faut aller l'essayer. Vous, vous restez ici et ne faites pas de bêtises. C'est trop haut. Grimpe sur mes épaules. Oh, je m'en veux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu penses que ça va marcher, Tan? J'ai fait tout ce que je pouvais, hein. On va essayer. Oh, il n'y a vraiment rien à faire, hein. Elle est cassée. Oh non! Mais qu'est-ce que tu as, Lua? Mais tu ne vois donc pas? Nous n'allons jamais pouvoir ramener Kong sur son île! Allons-y. Oh non. Ça fait du bien. Laissez Sitar. Eh ben on va peut-être plus trop traîner dans le coin, hein. Je commence à avoir le mal du pays, parce que moi, les bananes, j'en ai assez. Et que depuis quelques temps, je ne pense plus qu'à une chose, c'est me manger une bonne pizza à l'ananas. Dommage quand même que le professeur ait pu s'enfuir avec la pierre sacrée. Ça, ce n'est pas très grave. Il a gardé la pierre, mais il ne pourra pas l'utiliser. Les 2 sitars qui servaient de clé pour l'activer ont été détruits. Elle ne fera plus de mal. Super. Dites, Dr. Jenkins. Oui, Tan. Quand Jason était enfant, est-ce qu'il n'était pas un peu capricieux? Ah oui, en effet. Et je me souviens qu'il voulait toujours avoir le dernier mot. Ah, et ben qu'est-ce que je disais? Ah, enfin, une bonne pizza comme je l'aime. Oh non, par pitié, pas de banane.